Explication de la relation de la force de gravitation. Si on considère deux corps, que l'on nommera A et B, qui ont chacun une masse respective, donc pour le corps A, on l'appellera MA, et pour le corps B, MB. Et ils sont éloignés d'une distance que l'on nomme DAB. Eh bien, ils vont exercer l'un sur l'autre, hein, donc mutuellement, des forces de gravitation. Et pour pouvoir calculer cette force, enfin la force qu'exerce le corps A sur le corps B et la force qu'exerce le corps B sur le corps A, on va utiliser la relation qui se trouve ici. Et donc, ce que je viens de dire, ça correspond à ce qui est écrit là. F, donc la force, hein, la force de gravitation F, de A, donc que A exerce sur B, c'est égal à la force de gravitation que B exerce sur A. C'est ça que veut dire A slash B et B slash A, c'est A exerce sur B et B exerce sur A. Eh bien, ces deux forces sont de même intensité, hein, sont égales, et sont égales à quoi? Sont égales à une constante, dans un premier temps, la constante universelle de gravitation, donc c'est G majuscule. Cette constante est notée ici, 6,67 fois 10 puissance moins 11, et l'unité de cette constante, alors ce n'est pas la peine de la prendre, hein, puisque cette constante vous sera toujours donnée, l'unité de cette constante, ce sont des newtons fois des mètres carrés fois des kilogrammes à la puissance moins 2. Ensuite, cette constante est multipliée par la masse du corps A fois aussi la masse du corps B, donc la masse du corps A fois la masse du corps B, et on divise cela par la distance AB, mais au carré. La distance est portée au carré dans le calcul de la force. Donc on voit bien que cette relation est la même, que ce soit la force que A exerce sur B ou B exerce sur A. Les deux forces sont de même intensité. Dans l'interaction, les deux actions mutuelles sont de même intensité. Donc la force de A sur B ou la force de B sur A s'est exprimée en newton, de symbole N majuscule. La constante universelle de gravitation dont j'ai parlé tout à l'heure. Les masses MA et MB doivent être exprimées en kilogrammes. Et la distance AB est exprimée en mètres.